Live sur la plateforme, oui, sur Twitch, oui, c'est toujours ravi de Twitch, une plateforme. Et je vais checker mon YouTube également. J'attendrai. Genki desu ka? Ça va? Genki desu ka? Samui desu ne. Il fait très très froid. Samukunai desu ka? Il fait très froid, non? Je vais checker le son de Twitch aussi. Ok. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai sur Twitch, j'adore. Je vais checker mon YouTube. Ok. Il y a le délai sur YouTube, mais pas grave. Je suis là. Ok, parfait. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas. Ici, n'hésite pas à me poser les questions ici. Je vais taper Konnichiwa to. Konnichiwa. Et ici aussi, Konnichiwa to. Hop. Ok, nickel. Alors. Ok. So, すごい寒い。Il fait froid. C'est l'hiver, hein? 冬ですね。本当にちゃんと冬ですね。ちゃんと寒いよ。Carrément. C'est carrément hiver, quoi. Je me demande si ça devenait froid ou pas en novembre parce que il faisait chaud. Atatakakata. Il faisait chaud. It was warm. Atatakai, c'est warm. Mais là, ちゃんと寒い。せっかいもん、ほら。ちゃんと寒い。こまにべ。わお。え、いなく、2 semaines à finir cette année, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 15. Ouais, 2 semaines plus. Oh, wow. Oh, wow. C'est incroyable. 信じられない。信じられない。C'est incroyable. 信じられない、ça veut dire I can't believe it. Je ne crois pas. Je ne peux. Attendez, je ne peux pas croire, je ne peux pas le croire. Ça, c'est shinjirarenai. Mais ça veut dire incroyable. Hontoni shinjirarenai ne. 2 semaines. Ato 2 semaines. Après 2 semaines, 2022 va finir. Oh my gosh. Oh là 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 là. Alors, aujourd'hui, j'essaie toujours à faire quelque chose de nouveau. Parce que ça, c'est ce que j'adore. J'adore switcher le thème et tout ça. La semaine dernière, j'ai fait le light novel, roman léger, le type de roman très récent au Japon, qui est, comment on dit, qui est adapté par l'anime et manga et tout ça. Aujourd'hui, on va faire le cours de littérature classique, mais haïku. On prononce haïku, c'est pas haïku, c'est haïku. Le style de poème en japonais. Pourquoi? Parce que c'est très court comme la phrase. Et le auteur de haïku qui s'appelle Issa, Kobayashi Issa, il vit dans le 17e siècle, mais il utilise le japonais très très simple et il est un petit peu drôle aussi. Que c'est très bien à travailler. C'est pour ça que j'ai choisi le thème comme ça. N'hésitez pas à me demander la question ou taper le commentaire. Hop. Je vais. Ouais. Et j'ai mis en place mon menu du jour. Je suis en train de parler à propos de l'auteur et à propos de ce thème. Alors, Issa. Il est très connu au Japon. J'ai fait le petit note en français aussi. Mais avant, on traduit ça. On va lire les phrases en japonais. Hein. J'ai mis Hiragana. Du coup, Kobayashi Issa, 1763 nen. Ça, c'est nen, l'année. Du coup, comment on dit?
Comment on lit les dates ou mois au japonais? C'est tout inverse quand on compare avec français. On lit l'année, mois et date. Du coup, 1763 年 1763, 6月、juin, 15日, 15, から、さらに、あ、パーティー中、1828年、1月5日。Oui, c'est pas Gonichi, on dit Itsuka. C'est la façon ancienne japonaise, Itsuka. Du coup, il vivait le période là, et il est Nihon no Haijin. Haijin, quand on écrit ça avec les autres kanji, ça veut dire que vous êtes Ikigomori et vous ne connaissez pas comment communiquer les gens. Mais quand on utilise le kanji de haiku, haijin, excusez-moi, haijin, ça veut dire l'auteur du haiku. Honmyo, ça c'est vrai nom. Honmyo, wa Kobayashi Yataro. Issa, on écrit ça avec un T. Issa toa haigo de aru. Haigo, ça veut dire le pseudonyme pour l'auteur du haiku. Excusez-moi, je dois. Je dois avoir le mouchoir. Excusez-moi. Et Issacho to yobareru dokuji no haifu. Haifu, il y a le kanji de haiku, et fu, ça veut dire bon, mais on utilise ça pour le style aussi. Le style de haiku qui est appelé, yobareru, appelé Issacho. Cho, ça veut dire rythme, ou mélodie. Donc, mélodie ou rythme de Issa, ça c'est son dokuji. Spécial, ça c'est son spécialité, le style du haïku. Le style du haïku qui est appelé le rythme de Issa, c'est spécial. Il a établi son propre style de haïku. Matsuo basho o yosabu son to narabu. Narabu, ça veut dire on peut. Narabu, ça veut dire. On fait la queue. On va aligner quelque chose. Matsuo Basho, Yosabu San, ce sont deux auteurs de haïku hyper connus. Et Issa est dans ce genre de auteur de haïku, quoi. Edo Jidai, ces périodes-là, les périodes plus paisibles dans l'histoire du Japon. Le chef de gouvernement était samouraï, mais il n'y a pas beaucoup de grandes guerres domestiques. Et il y avait beaucoup de cultures, beaucoup d'arts qui sont épanouis dans l'époque-là. Edo Jidai. Jidai, ça veut dire époque. Edo, ça veut dire l'ancien nom de Tokyo. Donc, période de Tokyo, Edo Jidai. Oh, Daihyo suru, représenté. Haikaishi no Hitori. Hitori, ça c'est une personne. Haikaishi, c'est encore l'auteur de haiku. Du coup, il est un des auteurs de haiku qui représente le période de Edo, le période de Tokyo. La version en français. Kobayashi Issa, 15 juin 1763 jusqu'à 5 janvier 1828 était un poète japonais de haïku. Son vrai nom était Kobayashi Yataro et Issa est son haigo, ça veut dire nom d'écrivain de haïku. Il a créé son propre style de haïku comme sous le nom de style Issa. Et est devenu l'un des principaux poètes haïku
Haïku de la période Edo avec Matsubasho et Yosa Buson. Du coup, Issa, il est comme un star, mais il vient de... Comment on dit ça? Il vient de la campagne. Du coup, il n'est pas, comme on dit, il n'est pas un homme très élégant et flamboyant et tout ça. Il est juste un mec qui est très doué et par faire les haïkus, quoi. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Ok. Alors, par rapport à règles de haïku, j'ai fait le petit note parce que on va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Haïku no rule, règle. Règle de haïku. Et je vais vous dire désolé d'avance parce que j'ai du mal à orthographe et de temps en temps je skip les accents. Pourquoi? Parce que évidemment on n'a pas les accents japonais et j'ai du mal. Quand j'étais l'étudiant de l'université, quand j'ai choisi le français comme la deuxième langue étrangère, j'ai écrit beaucoup de français pour mémoriser, retenir l'orthographe de français, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai doué, quoi. Alors, règle d'haïku. Par rapport à rythme, on dit rythme, comme en anglais. On dit rythme. Rythme, c'est 5-7-5. Qu'est-ce que c'est 5-7-5? Go, shichi, go. C'est-à-dire 5 hirana, 7 hirana et 5 hirana. Et on fait le poème, on fait la phrase, mais c'est-à-dire, on n'a pas besoin de suivre la phrase normale qu'on fait, comme par exemple. Par exemple, quand on fait la phrase normale, ce qu'on fait, par exemple, Kino u, watashi wa, raclette o tabemashita, par exemple. Hier, j'ai mangé le raclette, par exemple. Kino, watashi wa raclette o tabemashita. Mais on ne met pas cette phrase-là dans haïku parce que, évidemment, on ne peut pas couper. Si c'est, on coupe la phrase comme ça en 7-5-7. Kino wa tashi wa raclette to tabe. Et c'est fini, quoi. Et on ne peut pas le faire. Du coup, on veut faire quelque chose de créatif et on va changer, on va switcher la position du mot pour faire la haïku. C'est hyper bizarre de faire le haïku avec le mot français raclette, mais peut-être je vais essayer. La raclette, on prononce comme la raclette. On compte le petit t, hein. Le petit t, c'est écrit avec petit t, c'est déjà une lettre. Donc la raclette, c'est cinq mots. Je peux commencer par raclette. La raclette. Et si j'ai mangé dans l'hiver, au soir, et je peux essayer à dire par exemple « Fuyu no yoru » Ah, mais c'est 5. Je dois faire le 7. J'ai essayé avec « le nuit de l'hiver », mais « Fuyu no yoru » c'est 5. Du coup, on doit faire 7. Ou moins, on peut faire 6 aussi. 6 ou 8 aussi. Il y a des autres styles, je vais écrire ça. Soit 5-7-5, c'est bien. C'est typique, c'est hyper correct. Mais si on ne trouve pas le mot 5-7-5, on peut faire par exemple 6-7-5, par exemple. Ou on peut faire, c'est juste un exemple, hein, 7-8-5. On peut ajouter un hiragana et c'est ok. Un hiragana et ça s'appelle jiamari. Jiamari. Jiamari.
Amaru, ça veut dire ça reste quelque chose. Que la lettre qui reste, ça veut dire la règle classique, ça c'est 5-5, 7-5. Mais il y a un autre hiragana qui reste derrière de la lettre. Ça c'est ji amari, mais c'est ok. Et si on ne trouve pas 5-7-5, si on trouve le mot, meilleur mot avec le moins de hiragana, on peut le faire aussi, par exemple, 5, 6, 5. Ça marche. Ça s'appelle jitarazu. Jitarazu. Tarazu. Tarazu. Ça veut dire. C'est originalement tariru. Tariru. Conjugaison de négatif tarinai. Tarinai, ça veut dire quelque chose. Quelque chose manque. Quelque chose manque. Et dans ce cas-là, le lettre est ce qui manque. Donc, parce que on devait faire 5, 7, 5. Mais maintenant, ça c'est 5, 6, 5. Mais ça marche. On dit jitarazu. Ça c'est un autre style de haïku. Et c'est OK. C'est totalement OK. Et du coup, je commence par raclette. C'est le nouveau challenge pour moi. Je vais faire le haïku devant vous. Mais c'est plus simple à faire comme ça parce que avec ça, vous pouvez apprendre comment haïku marche. Et du coup, rythme 5, 7, 5, on peut ajouter un hiragana où on peut manquer, on peut faire les mots petits, un petit peu courts. Et j'ai fait le note avec kanji là, kigo o i le le. La règle numéro 3. On doit ajouter le mot de saison, le mot de saison. On dit kigo, kigo, mot de saison. Kigo, c'est le mot déjà, comme on dit, déjà fixe. Pour montrer le saison, montrer le mois. Je vais chercher sur Google Kigo Fuyu, le liste Ichiran. Alors, c'est Yuki neige. Ah, neige. Ça marche parce qu'il neigeait hier. Alors, est-ce que je peux faire le haïku, le 7, la partie 7 avec le neige et peut-être la nuit. Yuki, Yuki no yoru. Ah, ça c'est 5, c'est pas, ça ne marche pas. Si c'est 6, ça marche. Mais si c'est 5, non. J'ai fait Yuki no yoru, le nuit avec la neige, mais ça ne marche pas. Soit, est-ce qu'il y a des autres choix? Du coup, neige, comment on dit, le glaçon, kori. Kori. Fubuki. Fubuki en français, qu'est-ce que c'est? Fubuki. 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 Ah, l'app de traduction marche, s'il te plaît. Le blizzard. Est-ce que c'est en français, hein? Je sais pas. Peut-être ça c'est Fubuki. En anglais, non? France go. Tempête de neige. Ok, tempête de neige, ça c'est Fubuki. Mais Fubuki, c'était pas Fubuki hier. Ou soit ski. Skate, skating. Stove. Ok, c'est en anglais, mais ça marche. Yutampo. Ok. Yutampo, ça c'est le bouteille avec l'eau chaude pour nous chauffer notre corps. Des autres choix. Des autres choix, c'est barbecue, mais barbecue pour des feuilles de forêt. Ok, je vais faire quelque chose plus simple. Et il y a des autres mots pour décrire le timing du mois, la fin d'année. Le jour avec le jour plus froid et tout ça. Je vais utiliser le mot plus simple hein, pour vous à comprendre facilement.
Fuyu no yoru, c'est déjà 5. Raclette. Yuki no furu yoru. Ah, ok. Du coup, j'ai ajouté le verbe. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Yuki no furu yoru. Et raclette. Raclette. Yuki no furu yoru. Le nuit. Qui neige. Le nuit. Où il neige. La nuit, où il neige, yuki no furu yoru, peut-être je vais ajouter quelques sentiments. J'ai utilisé déjà la raclette et j'ai ajouté le timing. Peut-être je vais ajouter le sentiment ou je vais ajouter un autre objet qui ne fait penser, qui ne fait se sentir certains sentiments. Raclette, yuki no furu yoru. Peut-être je vais ajouter quel est le sentiment que je vais ajouter, hein? Est-ce que c'est le sentiment de sentiment qui fait chauffer mon cœur? Est-ce que c'est le sentiment de tristesse? Est-ce que c'est le sentiment de nostalgie? Est-ce que c'est le sentiment qui est paisible et tout ça? On va ajouter le sentiment. Et si j'étais un enfant, je vais ajouter tout simplement Oishiina, la raclette, la nuit qu'il neige tombe. C'est très délicieux. Peut-être c'est enfantin. Mais on peut commencer par ça. Un enfant. C'est pour un enfant. Du coup, la phrase basique, ça c'est Kino, watashi wa raclette o tabemashita. Hier, j'ai mangé. Je vais ajouter hier. J'ai mangé de raclette. Raclette. Et ça devient raclette. Il neige. C'est délicieux. Oui, je pense que on doit ajouter où est l'accent? Où est l'accent? Ah, c'est hyper frustrant. Je vais laisser comme ça. Je sais que c'est pas totalement correct comme l'orthographe, mais je vais laisser comme ça. La base, c'est ça serait le haïku de l'enfant. Mais on va ajouter quelque chose après, si on est en adulte. Kino furu yoru. Sato no. Kino furu yoru. Kokyo, ça veut dire la ville natale. Et j'ai imaginé la scène où je mange le raclette dans la nuit et où il neige. Et parce que je viens du nord, j'ai enchaîné l'image de neige avec la ville natale. C'est très typique, hein, comme haïku, parce qu'il y a l'haïku qui ne fait se sentir
Ce qui fait nous sentir nostalgiques pour la ville natale. Je vais ajouter le mot Kokyo comme la ville natale. Kokyo. La ville natale. La ville natale. Et je vais ajouter Kana. C'est pas le bon haïku, hein. C'est juste pour vous montrer comment marche l'haïku. Kokyo Kana. Kana, peut-être que vous allez voir. Kana, ça veut dire... Je me demande. Je pense. Kana, c'est le mot pour ajouter notre sentiment, notre... Ça nous invite à réfléchir, ça nous invite à, comment on dit, refléter les choses passées. Kana, c'est le mot ancien, c'est seulement utilisé dans le monde haïku maintenant, mais c'est le mot très utile à ajouter pour faire les publics à... faire le public à se sentir le certain sentiment très nostalgique, très... C'est pas très fort comme le sentiment, mais je vais expliquer ça. On va regarder le haïku avec Kana après, je pense. Du coup, Kana, c'est le mot pour... ça, c'est le mot ancien. Pour ajouter le sentiment. Là, c'est pas le bon... C'est pas... Très bon haïku, mais ça c'est ce qui mange. Ça c'est la différence. Kino, watashi wa raclette o tamemashita. Et j'ajoute la scène, le lieu où j'ai mangé raclette, comme on dit, le background dans la scène, comme le film quoi. Et ajoute le sentiment. Kokyo kana, ok, raclette, la nuit où il neige. Ça me fait penser à la ville natale. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je dois mettre plus de temps pour réfléchir le bon haïku, hein? Évidemment. Évidemment. Et ça, c'est ce que haïku marche. Et le haïku de... Ah oui. J'ai mis la photo comme ça. Ça, c'est près de ma ville natale. Ça, c'est près de ma ville natale. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a le haïku très connu, très très simple. Le site, ça s'appelle Matsushima. Matsushima. Shima, ça veut dire les îles. Et Matsu, ça c'est l'un du type de bois. Matsu, Matsu. Pain, ouais, c'est le bois de pain. Et Matsushima, ça c'est le nom de le lieu. Il a une personne, une auteure de haïku qui a fait le haïku avec ce genre d'image-là. Matsushimaya. Ah, Matsushimaya. 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 Je vais traduire ça, c'est hyper simple. Oh, Matsushima. Ah, Matsushima. Oh, Matsushima. Mais pourquoi? Mais comment ça, Matsushima? Ya, c'est le mot ancien pour, comment on dit, pour parler quelqu'un. Pour parler quelqu'un. Si je veux parler, par exemple, si je veux parler quelqu'un qui s'appelle Stéphanie, et Stéphanie est là, je vais dire Stéphanie, ya. Ça c'est le mot ancien, hein, je ne dis pas maintenant. Mais ya, c'est pour parler quelque chose. Ah, hola, 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 bonjour, bonjour. je suis là. On va parler un petit peu. Du coup, Matsushimaya, ça veut dire l'auteur d'haïku veut parler avec Matsushima, mais il a ajouté le sentiment, Matsushima. Du coup, pourquoi il a fait le haïku comme ça? Du coup, on a pensé lentement que ça c'est le haïku de Matsuo Basho. On a fait Matsuo Basho.
Matsubasho, il est un des auteurs de haïku très très connus. Et Matsubasho a voyagé tout le Japon pour faire des haïkus partout. Et on avait pensé que ce haïku-là, Oramachima, c'était son œuvre. Mais quand j'ai tapé ça sur l'internet aujourd'hui, ce matin, j'ai trouvé plusieurs articles que c'était faute en fait. On a appris ça en école, mais c'était pas le vrai. Il y a des autres auteurs qui fait le haïku un petit peu détendu et il a fait ce haïku-là pour faire le guide pour voyager au Japon, pour des Japonais évidemment. Et il a fait le haïku comme ça, Matsumaya, ah Matsumaya, Matsumaya. Ça, c'est la base. Si vous connaissez un petit peu le mot de japonais pour décrire le lieu, vous pouvez ajouter oh, comme le sentiment, ah, Matsushima. C'est hyper drôle. Hein? Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'ai rigolé beaucoup avec le haïku là. C'est trop simple, quoi. Il n'y a que le sentiment comme ah, c'est merveilleux, Matsushima, et c'est tout. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de complexité, mais ça c'est haïku aussi. Ça c'est haïku. Alors, je vais avancer. J'ai parlé beaucoup, mais je vais avancer un peu le haïku de Issa. Parce que c'était ce que je voulais proposer aujourd'hui. On va lire les haïkus de Issa. Kobayashi Issa. Et Kobayashi Issa, il a écrit beaucoup d'haïkus avec les humeurs, comment on dit, les regards chaleureux, le regard chaleureux pour des humains. Je pense qu'il a adoré les humains et tout ça, des animaux, quoi. Alors. Et n'hésitez pas à m'arrêter avec les questions. Je vais checker le écran un petit peu souvent pour checker si vous voulez avoir la réponse pour votre question. Alors, il a dit comme ça. Yasegaeru, makeru naissa. これにあり。カエル。でじゃあ、痩せガエル。痩せる。さ、痩せる、さ、めぐいる。めぐいる。めぐいる、せさ。désolé d'avance pour le mal orthographe。カエル。カエル、さ、せ、グロノイ。グロノイ。comme ça。du coup, c'est le grenouille qui vit au Japon. Yasegaeru, ça veut dire le grenouille qui est mince. Makeruna, peut-être que vous avez déjà entendu Makeruna si vous avez déjà regardé l'anime. Makeruna, ça veut dire ne perds pas. Ne perds pas dans la bataille, dans le combat. Makeruna, Issa, ça c'est son nom. Kore ni ari, kore ni ari. これにあり。あ、バーサス、ある。あるサブリア、イリア。イリア、デショーズ。メ、アヴェク、ランシアンジャポネ、オナドトンドジゼ、ある、アヴェク、デペッソンオシ。ジュ、これにあり。セ、コ、これ、サセ、セッチョーズ。メ、セ、プルト、ここにあり。ここ、イシ、ジュスイラ。Oh, ça, c'est l'ancien japonais, hein. Et ça doit être iru. Ça doit être iru. Dans le Japon moderne, il y a quel objet inanimé? Alors, on utilise ça avec il y a un objet inanimé. Et iru, on utilise avec il y a des personnes. Personnes, animaux, etc., etc. Mais au ancien japonais, on a parfois utilisé aru. Du coup,
ここにありそうよ。je suis là. Du coup, il y a ces gars-là, le grand œil qui est maigri, il y a ces gars-là, le grand œil qui est mince. Ne perds pas dans le combat. Moi, Issa, je suis là. Je suis là pour toi. C'est pour encourager le grand œil qui est mince, qui se bat avec des autres grand œil. C'est plus mignonne. Mais en fait, si on connaît... Ah, je vais rester ici. Je vais rester ici pour vous montrer la queue. Je vais vous expliquer une petite histoire de sa vie. Du coup... Quand j'ai cherché, c'est like pour encourager et un grand œil qui est mince et c'est très mignon. Mais sa vie était très très dure dans cette époque-là. Il a un fils, il avait vers 50 ans et il avait le premier fils qui avait un malade et était très très faible et il a réfléchi, il a vu le grenouille et il a pensé à son fils qui est mince et qui avait le malade. Et il a encouragé le grenouille en pensant que ça c'est son fils. Du coup, c'est un petit peu triste comme la phrase là, le haïku là, parce qu'après un mois, son fils est mort. Donc c'est un peu triste, mais il a encouragé un grenouille et son fils avec sa haïku. Une autre haïku, c'est plus mignon et un peu triste aussi. Wa le to kite asobe ya oya no naisu zume. Wa le, ça c'est watashi. Ça, c'est l'ancien version du watashi. Kite, c'est le même. Viens, 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 viens. Kite, ça, c'est l'impératif de venir. Que le... Viens. Asobe, ya. Asobe, ça, c'est asobu. Ah. Impératif de asobu, impératif brut, impératif avec la forme du T, c'est asonde, mais impératif plus brut qu'on utilise pour notre animal de compagnie, nos enfants, parce que c'est un petit peu fort. Ça, c'est asobe. Du coup, waleto kite asobe ya, ça c'est to, ça c'est avec moi, waleto, avec moi. Viens et on va jouer ensemble. Oya no nai suzume. Oya no nai suzume. Oya, ça c'est parent. Parent. Nai, est-ce que vous connaissez ce mot-là? Le concept, les idées contre de nai, c'est aru. Aru, c'est il y a, ou avoir, il y a, ça existe. Et nai, ça c'est il n'y a pas, il n'a pas. Suzume, ça c'est le petit oiseau comme ça, ça s'appelle moano. Moano. Du coup, le moano qui n'a pas le parent vient avec moi et on va jouer ensemble. C'est très mignon, hein? C'est très très mignon. Mais parce que parce que Issa n'avait pas le parent également non plus. Sa mère est décédée quand il était petit et il a son père est marié encore une fois, marié à nouveau avec une autre femme. Et sa belle-mère était un petit peu méchante. On ne sait pas si elle était méchante ou pas. Mais en tout cas, il ne se comprenait pas. Et ce Issa-là devait sortir sa maison et travailler.
même si que la famille de Issa était un petit peu aisée pour des agriculteurs, quoi. Du coup, c'était un petit peu triste. C'est pour ça qu'il a encouragé le petit oiseau qui joue toute seule et il a reflété sa vie sur elle. Petit moineau solitaire, séparé de ses parents et jouant seul, moi qui a perdu ma mère, je suis le même que toi. Viens jouer avec moi. C'est très très mignon et un petit peu triste. Du coup, c'était le haïku comme ça. Ware tokite, asobe aoya no nai suzume. Ça c'est 5, 7. Asobe ya oya no. Ça c'est 7, non? 5, 7, 5. Une autre haïku qui est parfait dans l'hiver, c'est très très mignon comme un haïku. Il a fait Yu ki to kete. Est-ce que je n'ai pas mis. Ah oui, c'est ça. Le premier haïku, c'est Umasona. Umasauna, mais ça c'est Umasona. Umasona, ça veut dire ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux. Hop. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux. Umaso na yuki ga fuwari, fuwari ka na. Yuki. Yuki, c'est neige. Neige. Et il a utilisé l'onomatopée. Yuki ga, déjà, yuki, c'est le sujet, mais fuhari. Fuhari. Fuhari, ça, c'est le onomatopée japonais. Dans notre époque-là, ça, c'est fuhari. Fuhari. Il a écrit fuhari, mais dans notre époque, maintenant, on dit fuhari. C'est que fuhari, fuhari ka na. Fuari fuari, c'est onomatopée contre quelque chose de léger, très léger, comme les ailes de oiseau, le plume d'oiseau, vous dites, plume d'oiseau, neige comme ça c'est flotte comme ça. Quand quelque chose de léger flotte, on dit fuari fuari, fuari fuari. Du coup, umaso na yuki ga fu. Yuki ga fuwari fuwari kana. Ça veut dire le neige qui a l'air délicieux, ça flotte comme foie, 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 ça flotte dans l'air. C'est très drôle comme le haïku. Fuwari fuwari kana. Onomatopée, ça crée le rythme. Fuwari fuwari kana. Une autre haïku avec la neige. Yuki tokete mura ippai. Paï no kodomo kana. Ah oui, et on a déjà vu kana, kana. Kana, il n'a pas le signification, c'est juste le mot pour montrer le sentiment et montrer le sentiment comme je me demande, comme kana, soit. Ça, c'est ce que je me sens. Je me sens que la neige flotte comme ça. Kana, c'est le mot pour laisser des publics réfléchir soi-même. Du coup, yuki tokete, yuki, ça, neige. Tokeru, tokeru, ça, c'est fondre. Tokeru. Hop. Fondre. Fondre. Toquer. Mura, vous connaissez ça, c'est la ville, mais ça c'est dans la campagne. Mura. Ville. Ville, mais petite ville, je dis. Petite ville. Dans la campagne. Et ippai, ça c'est, comment on dit, rempli. Quelque chose est rempli. On dit ippai, beaucoup, beaucoup.
Du coup, Yuki tokete, quand la neige fond, mura ippai no, la ville est pleine des enfants. Ça veut dire quand la neige fond, c'est-à-dire il devient un petit peu chaud. Et là, des enfants dans la ville jouent, sortent de sa maison et jouent ensemble. C'est la scène de la fin de l'hiver et le commencement du printemps. C'est très mignon, hein? Yuki tokete, mura ippai no kodomo kana. Est-ce que vous avez des questions? Non, ok. Yuki tokete, mura ippai no kodomo kana. On peut, comment on dit, on peut imaginer la scène. C'est très très bon haïku. Et on, mura ippai no kodomo kana, on peut imaginer le mouvement des enfants parce qu'il y a le mot enfant, mais il y a la description, la ville est pleine des enfants. Et le dernier haïku que je voulais vous montrer, c'est le haïku un petit peu triste, mais Korega ma, tsui no sumika ka yuki goshaku. Korega, c'est ma, c'est ha. Ba, tsui no, tsui, il a utilisé le kanji comme ça c'est la fin. Sumika, ça veut dire sumika. C'est la maison, mais chez moi. On utilise ça dans le document, on n'utilise pas pour parler dans la vie quotidienne, on plutôt dit ie, uchi. Sumika, c'est plutôt comme la maison, comme le fonctionne. C'est comme sur le toile. Ok? Tsui no sumika ga kore ga ma, ah, c'est bah, la maison à la fin. La maison à la fin, ça veut dire la fin de sa vie. Yuki goshaku. Yuki neige. Goshaku. Shaku, c'est l'unité pour mesurer la longueur en ancien. Du coup, ishaku, je vais checker le. Comment. Quel est combien centimètres de ishaku? Ishaku, c'est 30 centimètres. Ah, c'est vrai? Oh là. Shaku. Ok. J'ai trouvé l'explication. Shaku, ça veut dire, c'est la longueur où on, comment on dit, on met le main comme ça et on mesure le doigt et doigt à doigt. Et il y a la longueur, hein? Et ça c'est le double. On va doubler. Ouais. Utasashi. Oyayubi no saki kara hitosashiubi no saki. Ah, non. Oyayubi, le doigt et le doigt. Ce longueur-là. Ah, ok. Du coup, le Google s'est trompé. Et Google a dit ish. Alors, ok. Ok. Je me suis trompée. Il y a un autre type de mesurement en ancien Japon. Ça, c'est Issun. Il y a le petite histoire pour des enfants, conte fée qui s'appelle Issunboshi, le garçon qui est la taille de Issun. Mais chaque Issa utilisait une unité de chaque. Chaque, ça veut dire 30 centimètres. Du coup, Yuki Goshak, c'est waouh! Il y a beaucoup de neige, hein? C'est-à-dire 30 cm multiplie, kakeru. On dit kakeru au japonais, hein? Multiplie 5, c'est-à-dire 550 cm. Waouh! Ah, c'est presque ma taille! Oh là! Du coup, j'ai traduit cette phrase-là et j'ai mis comme le note, il y a 5 pieds de neige. Ok, c'est pas pied, mais de neige profonde devant moi et je soupire profondément quand je pense que cet endroit dans la neige sera ma dernière maison. La dernière maison à terminer sa vie. C'est un petit peu triste.
C'est un petit peu triste, mais la neige, ça nous fait réfléchir comme ça, non? C'est très, très intéressant comme des haïkus. Alors, c'est la fin. Est-ce que vous avez des questions? Comment ça s'est passé pour vous? Comme d'hab, n'hésitez pas à me poser la question. Et comme d'hab, je vais lister le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup de vocabulaire, c'était plutôt le cours de culture, comment on fait le haïku. Et je vous ai montré comment faire les haïkus, la façon un petit peu amande haïku. En fait, ma grand-mère faisait le haïku pendant longtemps. Il a vieilli vraiment. Il a maintenant 80, 85, 86. Il a arrêté. C'est très dommage parce qu'elle était douée à faire des haïkus. Elle ne disait pas qu'elle était douée, mais je pensais qu'elle était très douée. Et c'était très dommage, mais c'est, comme on dit, c'est le petit héritage par mon grand-mère, quoi. Ma grand-mère a fait les haïkus pendant longtemps, je regardais ça pendant longtemps dans ma vie, et je voulais vous montrer comment l'haïku marche, la beauté d'haïku aujourd'hui. Je vais vous lire les haïkus qu'on a fait aujourd'hui et on va se terminer parce que les haïkus, c'est les phrases très courtes, le poète très très court et fait des publics réfléchir, fait des publics se sentir quelque chose. Le premier haïku qu'on a fait, Yasegaeru, makeru na issa, kore ni ari. Le second haïku, 我と来て遊べや親のないすずめ。Troisième haïku, ça c'est mon haïku favori, j'adore ce haïku. うまそうな雪がふわりふわりかな。Quatrième, 雪溶けて村いっぱいの子供かな。C'était le haïku favori de ma grand-mère parce que ma grand-mère a adoré le petit animal, petit l'enfant et tout ça. La dernière haïku, これがまあ、ついの住みかか雪ごしゃく。Ça, c'est la fin de la vie de Issa. Alors, n'hésite pas à me donner la commentaire. Et n'hésite pas à me donner la requête, me donner le demande, le contenu que vous voulez regarder au futur. Ça serait plus facile pour moi à préparer. Là-bas, je voulais vous faire amuser, rendre vous content pour apprendre le japonais avec une nouvelle façon, quoi. Merci beaucoup à regarder jusqu'au bout. Saigo made mite kurete arigato. Et à la semaine prochaine.